to aspire a flame. Distant sparks call to a past still unnamed. Bear this torch against the cold of the night. Set your soul and reawaken the undying light. Eh bien, salut à toutes et à tous, amis, c'est Paddock. C'est tout pour ce nouvel épisode de notre aventure sur Immortal Phoenix Rising. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, on avait... on s'était battu contre Héraclès. C'était super classe. C'était super classe. Et là, on va s'attaquer à la quête principale. On va retourner sur la quête principale. On doit parler au... Gallinacé. Donc, c'est ce qu'on va faire. Encore faudrait-il que je sache où est-ce que c'est. Je crois que c'est là. C'est là, ok. Allez. C'est parti. D'accord. À mon tour, guerrière. Allez, viens me découper. Je ne suis qu'un poulet. Je suis à la recherche d'Arès. Il n'est pas... Laissez-moi ! Jadis le puissant dieu de la guerre. Et aujourd'hui, une pitoyable et craintive boule de plumes. Tu en es sûr ? Est-ce qu'un ours se crotte dans les bois ? Pardon, je suis à bout. Allez, découpe-moi. J'ai trop honte. Mais... tu es Arès. Toujours en première ligne à chaque combat. Sparte te doit toutes ses victoires. Qu'est devenue ta fierté? Tu es la violence incarnée. Tu ne veux pas l'incarner, toi, la violence, et me donner un bon coup de hache? Tout le monde se fiche de moi, maintenant. Depuis quand le puissant Arès s'inquiète-t-il de l'opinion des autres? Tu as remporté des guerres. Tu peux abattre Typhon. Je veux dire, tu pourrais t'occuper de la stratégie, non? Regarde-moi, je ne peux plus tenir une épée. Si je pousse un patin sur le champ de bataille, tout le monde éclatera de rire. Même Aphrodite, mon amour, m'a rejeté quand elle m'a vu. J'ai rendu à Aphrodite sa forme d'origine. Je crois que tu devrais retenter ta chance avec elle. Quoi? Une déesse à la plastique sublime et un poulet? C'est peut-être illégal en plus. Non, non, rien d'illégal. Écoute, mes amis soldats, les villageois, mon frère, ils ont tous subi la malédiction de Typhon. Et ils ont besoin de ton aide. Tu peux essayer de m'émouvoir tant que tu veux, petite fille, mais la vérité, c'est que... un animal comme moi ne peut pas t'aider. Aphrodite, c'est fichu. Et toi, tu ne ferais pas de mal à un poulet? Je ne donne pas cher de ton frère. Hé hey. Maintenant, laisse-moi me lamenter tout seul. Ce que je n'arrive même pas à faire, puisque les poulets sont incapables de pleurer. Juste une grosse boule de tristesse. À l'intérieur. Bon, je vais annoncer à Aphrodite que tu abandonnes. Qu'est-ce que tu as dit, là? Un poulet est une poule mouillée, non? Autant lui avouer que tu ne peux plus te battre. Oublie ton essence perdue, va. Tu ne seras plus jamais le même. Mais oui, dis-lui que je suis pathétique. Même si mon essence pouvait m'être utile, je ne vois pas comment une mortelle pourrait y accéder. Alors ? Comme tu voudras. Mais, par curiosité, où se trouve-t-elle, ton essence ? Là-dedans, sous les décombres. Mais il est impossible d'entrer. Même en se servant de cette lance géante? On va essayer. Hé, hey, l'ours, un petit coup de patte?
Comme par hasard, elle était bien placée, cette lance. Puisque l'entrée n'est plus bloquée, j'y vais. Bah, si tu tiens à mourir, c'est ta vie après tout. Avant que tu partes. En toute bonne logique, tu n'as aucune chance. Mais, avec ma bénédiction, qui sait ? Hé, hey, l'ours, non. Va pas par là. Caca, c'est pas pour toi. Ok. Alors. Du coup... Doublement de la durée de la jauge de combo avant réinitialisation. Ouais, bon, pas terrible. Mais bon, enfin, ça peut être cool en vrai. Mais bon. C'est pas le meilleur, on va dire. Mais bon, en même temps, c'est que ça. Première phase, donc ça se comprend. Vous êtes costaud là ! Vous étiez costaud quand même. Alors comme ça, mon fils est un poulet? C'est logique. Depuis qu'il est né, c'est une déception permanente. Ah, les enfants, c'est pas facile. Hein. Est-ce qu'on va voir ça, d'abord? On va aller voir ça. Il meurt au bout d'un moment. Voilà. Le souvenir de cette scène. C'est Diomède. Tu parles d'un phénomène, celui-là. Blessé des dieux pendant la guerre de Troie. Du jamais vu. Pas de simple dieu, mais Arès. Ma perfection va recouvrir ces terres. Tac. J'ai pas mis assez... Enfin, j'étais trop loin. Voilà. Ok, alors maintenant. Voyons voir comment ça se présente.
Non. Tac. Faut que je monte celui-là. Et tac, et celui-là. Ensuite, on pousse celui-là complètement. Et voilà, maintenant on n'a plus qu'à tout caler. Et voilà! Grâce à Athéna, Diomède eut l'occasion idéale de blesser Arès au combat. Je n'oublierai jamais ses cris de douleur, Arès. On l'avait blessé au ventre et j'aime autant dire qu'il faisait pas dans le discret. Toute la région a été au courant. Ok. Oh. Ok, c'est quand même une crypte. Bon, on va la faire. On va la faire. Oh mon dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ok, il y a... Ouais, il y a directement son essence. Attends, ça marche comment ça? J'ai pas compris comment ça marchait. Ok. Ok, et donc je peux te faire voler quand tu... Ok. Qu'est-ce que je vais faire marche? Est-ce que ça, ça marche? Ça marche, ok. Ok, ça tombe dans le vide. Ouais, mais je veux bien, sauf que non. Vas-y, envole-toi. C'est pas comme ça qu'on devait passer, mais bon, on a profité de nos pouvoirs, écoutez. Oula. Je me demande ce que retient ces chaînes. Tout au fond, Phénix trouva une statue retenue par des chaînes. Une statue qui ressemblait fortement à Kotos, l'Hécatonchi. Faut dire qu'une centaine de bras, c'est ce qu'on appelle un bon indice. Oh mince. J'avais pas vu le trou.
pose une question, est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous pensez directement que ça passe en fait? Tac. Attendez, il y a un truc à faire avant. Cet endroit ressemble à Arès. En désordre, dangereux et d'un très mauvais goût. Qu'est-ce qui t'agace autant chez Arès, exactement? J'espérais mieux de lui. Il se lance dans la guerre tête baissée. Tellement brouillon que ses adorateurs en deviennent fous. En plus, il ne sort jamais les poubelles, même quand Hera lui demande trois fois. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Je me suis habitué à force. Il est peut-être coupable de toutes ces choses, c'est vrai. Ou peut-être cherche-t-il à impressionner son père. Il veut que tu le prennes sérieux. Non, non, il pense qu'à sa peau. Ah, imaginez le foutoir qu'il laisse derrière lui. Bah, comme un gamin qui aurait jamais grandi. On dit que l'imitation est la forme la plus sincère de flatterie. La forme la plus sincère de flatterie, c'est d'enlever quelqu'un pour passer du temps avec lui. Si tu en doutes, demande à Ganymède. On devrait être bien. Mais pourquoi les ailes ont mis 3 ans à déclencher? Le double saut qui se déclenche comme ça, c'est toujours autant horrible. Le deuxième saut qui s'active tout seul, c'est toujours autant horrible. Et voilà. Et purée, mais deux fois! Non mais oh! Non mais sérieusement, par contre, c'est vrai que c'est, ça commence à être chiant. Surtout que je veux dire, enfin, je touche le sol. En même temps de me recharger. Voilà. Alors. Ici, je peux y aller tout seul. Là-bas, non. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celui-là. Vraiment trop loin. Ah non, ok, faut qu'il soit éteint. Il est éteint. Ah non, ok, il y en a qu'un que je peux prendre. Les autres, j'y ai pas accès. Oh, bah, en fait, celui-là devrait suffire. Voilà un peu plus haut. Voilà, là, ça devrait être parfait. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Pourquoi il tourne? C'est fou, tu double saut. Il me gonfle. C'est infâme. En fait, tu peux pas bien enchaîner des sauts du coup. Tac.
Et là, s'il me le refait, c'est abusé. Voilà. Et là, pourquoi ? Tu m'as vraiment activé la hache ? Alors que la hache, en plus, c'est le seul bouton auquel j'aurais pas pu appuyer. Savoir que je joue comme ça, généralement. Mais que... Comment j'ai pu appuyer là ? Là ! Bref. Ah, on va y arriver. Pas de panique, ça va le faire. Ah non, je resterai calme. Jaillou. Là-haut. Ouais, mais le problème c'est que eux là, je peux pas les contrôler en fait. Et eux, je peux les contrôler. Alors non. Ça aurait été bien qu'ils soient un peu plus haut, mais... En soi, je crois qu'il... Ouais, il va déjà m'aider. Voilà. S'il te plaît, tu vas où? Ok. Suivant. Oh mais attendez, il y a plein de coffres en plus. Faut que j'ai d'oubli. Il y a plein de coffres. Mais je crois qu'il y a déjà un coffre en fait que j'ai raté. On va voir. J'aille en face. Ok. Alors, voilà. Wop. On recommence. En soi, non. J'ai fait une bêtise. Hop. Là, on va recommencer et on va essayer de garder le petit avec nous. Tac.
Et voilà. Ok, bon. Cette chaîne-là, au revoir. Attendez, parce qu'on a... On a un coffre là ou pas? Je vois qu'elle se fait... On avait un coffre là-bas. On a raté. On va essayer d'aller le voir. Ce qu'on peut faire, étant donné qu'en plus, pratiquement tout est prêt. On a un coffre qui est là-haut. Ok. Oula! C'est ce qu'on appelle un fail. Donc j'aille... Ok, là-haut. J'aille là-haut. Pourquoi est-ce que je suis toujours sous ça? J'appuie là-dessus, ce qui fait que ça me déclenche le phénix en fait. Allez. Vraiment coincé. Avec un seul, je sais même pas si ça passe. Ça passe. Des pièces de charme, ok. Du coup maintenant... On peut retourner au... On peut retourner là-bas. C'est tellement plus simple comme ça. Allez, hop, on a fini. Ok. Et donc cette phase-là, c'est bon. Ici, pareil, on a un coffre. On a un coffre qui est là-haut. Donc qui est vers la fin de l'épreuve. Enfin, vers la fin de cette phase-là. Ok. Du coup. Thank you.
Merci beaucoup. Genre lui c'est prêt pour Naruto. Vu mon petit Naruto. Il est là le petit Naruto. Ok. Bon, calmé. Je fais n'importe quoi sur cette épreuve. Ok, moi j'aimerais bien. Tac, et j'aimerais bien que tu ailles là-bas si possible. Ok. Ok. Donc attendez, il reste qu'un le coffre. Le coffre est où? Je crois qu'il y avait un coffre là, non? Bah. Peut-être plus loin en fait. Je ne sais pas, bref, quoi qu'il arrive, on les récupérera tous à la fin, si besoin, au pire. On va aller là. On va aller voir ici. Comme quoi, c'est quand même bien pratique d'avoir d'avoir beaucoup de sorts. On s'entend vraiment super bien.
On va aller voir où est-ce qu'il est là. Et là, il n'en vient pas. Plus loin. Le coffre. Le coffre est par là, ça je sais. Là. Tac. Il y a quoi dedans? Une foudre, ok. Voilà. Du coup. Alors, comment que ça marche? Ça va, ok. J'ai peut-être un peu trop rushé et que le jeu n'a pas kiffé. Ok, donc là j'ai une boule à emmener. Ok. C'est quoi? On va limite retourner au début de l'épreuve. Voilà, on retourne au tout début de l'épreuve de d'ici. Du coup. Ok. Là ça va, jusque là c'est pas compliqué. Bien ici. Là, reviens, reviens. T'aimes bien en fait. Du coup, hop, on recommence. Roule ma petite boule. Du coup, elle va apparaître où la bouboule? Je ne sais pas encore. On va tester. Ça fait juste ça, ok? Ok. Et donc j'active la bouboule avec celui-là, ok. Ah, et ça m'en fait deux. Ça m'en fait une là et une là-bas, ok. Du coup, il faut forcément déjà un 3. Trois...
Genre, il est coincé. Genre, il s'est coincé. Voilà. Oula, peut-être même un peu près. Ça devrait quand même passer, mais bon. Et encore un peu. Voilà. Encore près. Là, on devrait être bien. Ok. Du coup, il va là, il va là. Ici. Il faut que je fasse descendre lui. Ok. Ok, normalement, là, tout est bon. Alors, tac. Hein, ok, non. Trois ou deux. Ok. Ah oui, non. Pas besoin de toi. Là, on devrait être bon. Et voilà. Celui-ci, c'est bon. Et celui-là, c'est bon également. Easy. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. Ouais, du coup, il y a un coffre qui est là-bas aussi. Et il y a un coffre là, ok. On va aller voir le coffre qui est là-bas déjà. Et après, on va s'attaquer à la suite de l'épreuve. Pas de soucis. Ok, on a le coffre. Une nouvelle foudre. Et on a le dernier coffre qui se trouve là-bas. Là, non. Alors, ok. Donc pour ça, forcément que je passe par... Par... D'ailleurs.
Ok. Ah là où j'étais tout à l'heure. Merci pour tout. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Une ambroisie. Parfait. Bon. Du coup, là, comme je suis totalement perdu... C'était une mauvaise idée. Salut Darkay. Darkay. Attends. Drake, pardon. Pour ton problème, je t'invite à regarder sur internet. Ce sera plus simple. Car en tête, j'ai plus le combo là. J'ai plus la méthode en tête. Du coup, faut qu'on aille là-haut. Ok, donc ça, ça fait quoi? Ça active ceci. Oula, oula, calme. Si je fais ça, ok. Pour que lui... Ok. Ok, il arrive. Quoi ? Abuse. Voilà. Celui-là maintenant. Bah pareil en soi. Tac. Reviens ici.
Certains sauts passent tellement juste. Wow, 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 wow. Oh. Non. 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 Raté. Passer ou pas? Tac. Tac. OK. Suivant. On s'en va. Wow, trop fun. Trop fun. C'est bon, on est passé. Trop bien. C'est trop bien. Typhon finira noyé dans le torrent de ma colère. Parfait. Je ne resterai pas enfermé à jamais, Typhon. Une fois les chaînes brisées, la statue monstrueuse. Alors, oula, Kratos. C'est quoi, c'est le fils de Kratos? C'est le fils de Kratos? À vous. Excusez-moi. Oh non.
Dégage. Ah bah voilà, il se passe quelque chose. Ok. Donc a priori on a tout. On va pouvoir prendre la... J'ai l'air de la foudre, mais non, c'est une essence. Quoi? Je te dis oui, ça paraît logique. C'est pas normal qu'on ait déjà une... qu'on ait déjà l'essence. L'essence, c'est à la fin. C'est à la fin des trois bénédictions. Normalement. N'avait pas été pétrifié, il aurait déjà l'essence et probablement aussi une médaille. Un effort, Phoenix. Ok, et bien sur ce, les amis, j'espère en tout cas, franchement, c'est sympa que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On vous donne rendez-vous du coup très bientôt. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et bien évidemment de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos, aussi bien du Immortal que les autres Let's Play. Merci à tous, merci à toutes. Partagez la chaîne à vos amis pour que ceux-ci puissent me découvrir et pourquoi pas s'abonner. Ça me ferait vraiment super plaisir. Allez, salut tout le monde, bye, ciao ciao tout le monde, bye.